Bonsoir, je suis Christelle Nissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo, il est 21h59, nous sommes le 16 juillet. Donc, juste une petite vidéo pour partager le fait qu'il y a un portail de montée fréquentielle ou un portail d'accès à une conscience plus élargie ou bref. Donc je voulais partager parce qu'en fait je l'entends depuis, je dirais, une heure ou deux, peut-être plus, je sais pas, ça fait pas si longtemps. Et que j'avais envie de partager parce que je me disais, bon, il faut que j'en parle ou pas, parce que d'habitude je garde pour moi quand il y a des choses pas très significatives. Là c'est vraiment plus assez significatif, on va dire. Et ça vient le conforter le fait que bah, finalement je suis pas sortie. J'aurais pu sortir, allez. Danser la cucaracha ou inviter à des soirées. Mais là, je sentais qu'il fallait que je reste tranquille. Je vais même, je pense, me mettre un peu des ondes de forme de la fleur de l'unité. Bon, je suis sur la fleur de l'unité depuis quelques jours. Là, je suis en train de faire des vidéos. Mais je pense que je vais voilà, m'arrêter puis monter en fréquence avec ce portail là que j'entends. Donc, juste pour vous informer, si jamais ça vous parlait. Eh bien, d'être le plus aligné possible avec ces hautes fréquences, ce portail. Je ne sais pas vraiment quelle est la nature, ça viendra si ça doit venir. En tout cas, c'est une nécessité de s'aligner avec ce passage, comme une sorte de passage, comme il en a, comme il en existe beaucoup, il en a beaucoup eu jusqu'à maintenant. Voilà, juste cette petite vidéo très brève pour vous informer de ça, si toutefois ça vous parlait. Et puis voilà, restez dans votre, si ça vous parle bien sûr, restez dans votre intériorité autant que possible. Méditation, centrage, utilisez les ondes de forme de la fleur de l'unité pour vous immerger ou entendre ou sentir ce qui est en train de se passer de plus vaste, au-delà des turpitudes humaines. Il y a plein de choses qui se passent, et ça me semble intéressant et important d'être à l'écoute. Et puis, voilà, de faire très attention à ne pas trop rentrer dans le chaos pendant ces moments précis, justement pour capter ce qui a besoin d'être capté pour chacun d'entre vous, qui est forcément quelque chose de différent ou de similaire, peu importe. Soyez à l'écoute, tout simplement. Allez, je vous fais des gros bisous. Si j'en sais plus, je vous partagerai. Passez un bon vendredi. Tchuss, bye bye.